C'est à l'équipe de modeurs de Mack Corp que nous devons la légendaire McLaren MP4-4 bolide piloté lors de la saison 88 par Ayrton Senna et Alain Prost à la victoire pendant quasiment toutes les courses de la saison. Seule une petite erreur du côté de Monza a fait que la voiture n'avait pas réussi à remporter quasiment toutes les courses de la saison. C'est un exploit qu'on a dû attendre longtemps avant de revivre ça avec l'équipe Mercedes il y a quelques années. Un bolide donc qui débarque dans l'Assetto Corsa en mode gratuit. 15 victoires, 15 pôles en 16 courses à l'époque, ça donne envie et on comprend bien pourquoi la Formule 1 était difficile à l'époque, puisque manier les 650 chevaux de ce moteur turbo Honda, eh bien ça n'est pas donné à tout le monde et il va vous falloir quelques petits temps d'adaptation avant de pouvoir jongler avec la bestiole sur les différentes pistes. Nous sommes du côté d'Imola, évidemment une piste qui demande pas mal de technicité, notamment à des sorties de virages comme la Tosa ou Qua Minerali, et il va vous falloir prendre le temps d'adapter votre pilotage à la bête. La bête justement, comment est-elle? Comment est ce mode? Eh bien, visuellement c'est très impressionnant, la McLaren est très bien modélisée, on a l'habitude avec McCord de voir des renders assez impressionnants de leur véhicule 3D. Deux petits défauts cependant pour moi, cette voiture, la qualité du son, le V12 Honda n'est pas mis en avant et un manque clair de retour de flamme dans les effets visuels, si ce n'est le comportement équivalent de ce qu'on peut avoir avec la Lotus 97T, si je ne dis pas de bêtises, ou 98T même, qui est disponible dans le jeu. Cette voiture est un pur régal. Je vous laisse, comme d'habitude, profiter de cette voiture de légende qui balade sur le tracé d'Imola. N'oubliez pas, les amis, la tradition, montez le son.